Bonjour à tous. Bonjour Didier. Bonjour Patrick. Alors on est ici avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Alors ici, sacré ponton. Hein. Ah oui, oui, oui. Faut bien s'occuper. C'était une idée comme ça là. Et puis il y a un bon coin repas là. Ah oui, ça, on en profite bien. Quand même, ça fait un peu de fraîcheur quand on mange dessus, c'est super agréable. Et ça fait combien de portées comme ça? 9 mètres. 9 mètres, ah bah ouais. Ça le fait quand même. Donc un peu de métal en dessous. Un petit peu, oui, 2 IPN. Ben voilà, bon, comme quoi qu'il faut un petit peu, de temps en temps, avoir de l'imagination pour pouvoir faire des choses un petit peu particulières. Oui, là, ça manque pas chez Philippe. Apparemment, il avait ce qu'il fallait et il a amené tout de suite du gros matériel pour faire ce qu'il fallait. Absolument. Alors, la superbe cascade, félicitations. Hein. Moi, j'aime beaucoup cet empirement. Oui, bah, c'est pareil. j'avais vu ces pierres une fois chez un fournisseur. Et puis, c'était la pierre du haut qui m'avait bien plu, là, pour faire la pointe en forme de montagne, quoi. C'est ça. Et puis, voilà. Mais Philippe, dis-nous un peu comment tu as commencé la passion, en fait, ici.
Bah, en fait, c'est pas chez Didier, hein, je suis désolé, hein. C'est à l'Oasis. C'est ça, ouais, bah, c'est parce que c'est à force de se balader. Ouais. Comme j'ai une sœur qui habite vers Auxerre, on allait souvent à l'Oasis. Et puis bah, c'est vrai que c'était les grands bassins, tout ça, c'était magnifique, quoi. Puis bon, les poissons, bah, puis la passion est venue petit à petit. Jusqu'au jour, bah, j'ai pu me faire un bassin. Ah bah, là, tu n'as pas raté le coup. Là. Pour autant, il est magnifique, le bassin. Et puis, c'est une sacrée pièce. Hein. Il y a encore du travail, parce que bon, il n'est encore pas nickel. Mais grâce à Didier, il est quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors Didier, qu'est-ce que tu nous as fait ici ? Alors, on a changé un filtre à grille pour un tambour. Philippe possédait un Shark, un super bête, donc Shark en pression. Et on a mis UV et un multichambre derrière. Bon, un UV balèze, hein, parce qu'il fait quand même une sacrée taille le bassin ici. Oui, il y a 100 mètres cubes, 1,60 m de creux, quelque chose comme ça, oui. Il y a des bondes de fond ici ? Il y a deux ou trois bondes de fond, trois bondes de fond. Ouais. Deux grosses skimmers oises. Deux grosses skimmers oises en pompage, enfin en skimmer, quoi, et tout retour sur le tambour. Alors voilà, bon, ici, bah, tu avais eu pas une très bonne idée de mettre de la pouzzolane là, sur le côté, parce que les poissons, tu n'avais pas envisagé que c'était aussi des très bons terrassiers. Ça, c'est clair. Bah, c'était un premier conseil que j'avais eu, de mettre de la pouzzolane, et quand j'ai eu Didier, il m'a dit, bah, non, c'était pas bien. Ah, parce que... Donc, bah, il était trop tard. Oui, maintenant, le problème, c'est que ça rentre dans les bandes de fond, c'est compliqué. Oui. Oui. Bah, j'ai même proposé, c'est ça, moi, je vais la retirer, parce que c'est vrai que c'est vraiment une galère tous les ans. Et tous les ans, bah, il faut aller dans le bassin. Bon, c'est pas que ça me déplaît, mais l'été, ça va. Hein. À 28 degrés, on rentre dedans. Ben nous, on a dit qu'il fallait faire ça au mois de janvier, mais bon, il me semble que tu es assez réticent sur la question. Ben, j'essaierai beaucoup plus tard, on verra. Tu disais Il y a un meilleur rendement au mois de janvier quand on nettoie les bandes de fond. Ah, ça c'est clair. Là, ça, pour nettoyer les bandes de fond, c'est l'idéal le mois de janvier. Février, éventuellement, comme on disait, mais bon, non. Il y a des années meilleures que d'autres. Oui, voilà, exactement. On est bien ça d'accord. Dépend des températures négatives. Tout le problème, il est là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bon, un peu d'entretien ici, évidemment. Pour arriver à maintenir ces bandes de fond, c'est clair que bon, la pouzzolane, c'est à créer des zones de frais absolument magnifiques pour les coilles. Et ils doivent adorer ça. Donc, bon, bilan des courses, ils te font un peu du déménagement. Ben oui, je vois. Alors déjà, j'en ai plein au fond. Il faut déjà que je les enlève. Là, j'ai déjà passé une demi-journée, là, c'est sûr. Et puis, après, je sais pas. Honnêtement, ça me tente de l'enlever. Didier m'a dit non, laisse-les. Alors, comme je l'écoute, les ai laissés. Mais... Après, tu peux rétrécir les zones de frais et puis on va faire une petite retenue pour ne pas blesser les poissons. Ça peut se trouver. Comme idée, il y a des choses. Après, bon, là, le problème, c'est que ça descend directement dans les bombes de fond. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème parce qu'après, on a pu constater que finalement, ça va colmater jusqu'au bus de nettoyage du tambour. Là, on a tout colmaté le tambour, d'où la clarté de l'eau. Bon, c'est. Quand ça commence à se coincer, après ça va très très vite, quoi. Absolument. Alors moi je vais te dire une chose, Philippe, ne t'en fais surtout pas. Il y avait juste un petit problème technique au niveau de tes skimmers, on t'a expliqué, ça va être résolu en un claquement de doigts. Hein. Il manque juste deux petites plaques de polystyrène, tout. Et puis quand tu fais ça, déjà toute la surface de l'eau va être nettoyée en un temps record, hein, parce que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour que ça marche. Après, pour les bombes de fond, il va falloir sortir le Karcher et un petit peu le furet. Le maillot de bain. Et le maillot de bain, oui. À la limite, je crois que tu pourras arriver avec le furet d'un seul côté, ça devrait le faire. Oui, mais il est assez long. En plus, à chaque fois, je fais jusqu'au bout. C'est sûr que... Ouais. Mais bon, par sécurité, je fais un petit peu des deux côtés. Mais... Alors bon, après, je t'ai expliqué un petit peu la procédure. Là, avec manipulation des vannes, tu pourrais entretenir, je veux dire, plus facilement et éviter que ça se colmate ou que ça se réduise tellement fort qu'au bout du compte, c'est compliqué parce que bon, il y a vraiment trop de merde dans les tuyaux. Surtout qu'à des grandes longueurs comme ça, on ne s'imagine pas toujours ce qui peut. Oui, la perte de charge après, il y a la friction, elle est colossale. Hein. Oui, on le voit. Donc on a un tuyau de 100 ou de 110, et puis finalement, on a encore un tuyau de 50 à l'arrivée. Hein. Oui, au départ, il était sur un filtre à grille, on tirait même pas, avec les trois bombes de fond, on tirait même pas 20 mètres cubes à l'heure.
tellement ça bouchait les bombes de fond. Donc forcément, on ne peut pas passer un volume d'eau par rapport au volume du bassin qui fait quand même 100 mètres cubes. C'est ça, mais par contre, on a encore deux pompes dans les skimmers. On a quand même un apport supplémentaire à deux pompes de 8000. Bon, il faut dire aussi que les tuyaux sont très longs, donc il y a de la perte de charge. En considérant qu'il y a 5000, 5000 et demi sur un, peut-être 6, 7000 sur l'autre. À peu près, oui, c'est ce qu'on a. Quand on avait fait le calcul, on arrivait sur ça. Donc c'est les skimmers qui nous faisaient compléter notre besoin pour compléter le volume d'eau en passage. Alors Philippe, je ne sais pas, j'espère en tous les cas que tu vas m'excuser. Hein, parce que quand je suis arrivé ici, l'eau était vachement plus claire et on a un petit peu chipoté dans la filtration. Non, mais j'ai appris encore plein de choses. Ben, tu as peut-être appris des choses, mais on t'a un peu flingué le bassin en termes de clarté. Ça, hein. Ça va revenir. Ça va aller vite. À mon avis, je m'inquiète pas. Tu t'occupes des deux petits morceaux de polystyrène, là. Ça c'est 5 minutes. Oui. Hein, il faut les avoir, c'est tout. Ça, c'est le plus compliqué. Tu mets deux petits morceaux de polystyrène, baf, tes skimmers vont déjà aller à fond la caisse. Ouais. Ça va déjà limiter pas mal parce que toutes les algues qui sont en suspension maintenant vont retomber et vont contribuer à salir tes bombes de fond. Donc, c'est pas une bonne solution. L'idéal, c'est de les dégager au plus vite. Hein. Donc, là, justement, tu as des skimmers qui sont fantastiques parce que c'est des skimmers avec un très grand panier à l'intérieur. Moi, j'ai eu des skimmers comme ça. Je regrette de ne pas avoir remis ça. Hein. Donc je te le dis, hein. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment un très 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 bon skimmer, c'est le skimmer de chez Oaz et je recommande à tout le monde. Et voilà, bon après la clarification de l'eau c'est une question de quelques jours et puis c'est nouveau clair, en plus il y a ce qu'il faut en UV ici. Hein. Oui, il y a un 3x 130 watts amalgame tout en inox, oui il y a un bel engin. Donc ça fait grosso modo 4 watts au mètre cube, on a largement ce qu'il faut. Largement ce qu'il peut-être faut, une fois checké, s'il n'y a pas d'encrassement au niveau des quartz. Des quartz, voilà. Non, les quartz sont bons, il n'a pas une eau calcaire, mais il les vérifie et on a aussi un UV ou deux UV immergés dans le biologique qui ont sorti de filtration. Donc ça aide en complément l'été. Alors bon, Philippe, il te reste encore un peu de boulot parce que tu as encore toute la plantation finalisée. Je vois que tu as acheté des superbes arbres. Bon, je suppose que tu vas planter ça à gauche et à droite. Voilà. Ah, et alors, il manque encore un peu le gazon. Ça va venir. Ah, bon. Maintenant, je peux te donner une bonne adresse pour trouver un squelette de chameau, hein, puisque bon, on est un peu désertique là. Après, je te conseille quand même, franchement, c'est le petit robot tondeur, là, ça, croyez-moi. Moi, j'en ai mis un, je regrette une seule chose avec, c'est de ne pas l'avoir pris plus tôt. Hein. Je sais pas, c'est assez aléatoire. C'est aléatoire, mais ça marche nickel, hein, surtout que c'est très plat chez toi, donc ça va le faire. Hein. Donc, et tu as toujours un gazon qui est bien uniforme. Ouais. C'est vraiment sympa comme truc. Ben voilà, moi je te remercie Philippe pour ton accueil. Je vous remercie pour tous vos conseils. Ben écoute, on est là pour ça aussi, pour aider les gens. Oui, en général, on ne peut pas venir tout le temps. Bon, on se voit pas mal l'hiver. Là, on ne s'était pas vu depuis un petit moment. D'où l'idée de nettoyer les bandes en janvier. Là, par exemple, c'est pour ça, il n'a pas voulu plonger au mois de janvier et on le retrouve là au mois de janvier. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques sur les procédures à suivre. Il y a des gens frileux. Ouais, exactement. Et ben voilà, moi je vous dis, j'espère que vous avez pris plaisir comme moi. À découvrir ce bassin. On remarquera au passage de très belles pièces là-dedans, notamment un Tancho Sanke qui est vraiment magnifique. Donc il y a du poisson intéressant ici dedans, d'autant plus intéressant qu'ils ont l'air d'avoir du body, à mon avis ils reçoivent à manger. Oh, je pense qu'il est nourri un petit peu, oui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, il est pas regardant, même en qualité de nourriture, il fait ce qu'il faut. Je pense que le résultat en témoigne en tous les cas. Hein. Encore toutes les félicitations pour ça. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Bonsoir Patrick, merci. Bonsoir, merci.